Les mecs, les meufs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu, j'ai le même outfit parce que j'enchaîne les tournages avec la vidéo de la semaine dernière. Bref, on se retrouve donc aujourd'hui pour unboxer tous les produits de la box skincare de la marque Beauty Bay, The Skincare Obsessed. Donc c'est tous les produits skincare préférés de la marque Beauty Bay. Je vous laisse aller voir la vidéo de la semaine dernière. J'ai ouvert la box Hall of Fame, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux. Je pensais que c'était des calendriers de l'avant. Bref, je vais pas refaire le speech. Je vous laisse regarder la première vidéo. Et comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je vais tester tous les produits skincare plus ceux que j'ai eu dans la box Hall of Fame dans une autre vidéo, crash test. Bref, on va ouvrir cette box, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous laisse aller checker tous mes réseaux sociaux, tout est en description. Et abonnez-vous à cette chaîne, ça me ferait trop plaisir, on est de plus en plus, bientôt les 600. Bon, let's go, c'est parti, on connaît le packaging maintenant. Et attention, reveal de la box. Je sais pas combien il y a de produits, mais il y en a beaucoup. Regardez ça, hop. Ok, le coffret, regardez, hop. Le coffret vient un petit peu de se décoller, c'est pas grave. Ça sent la pharmacie de ouf. Écoutez, on va pas perdre de temps. On va commencer avec le premier produit qui n'est donc que... C'est un toner de la marque Mario Badescu. L'eau de rose et quelque chose à la noix de cajou. Voilà, ou à la noix. Petit échantillon, petite contenance pour un toner, mais très sympa pour apporter à voyager. Il y a beaucoup de full size, hein, je vous préviens. Hein, c'est pas que... des échantillons, c'est quand même très très sympa qu'il y ait des full size et tout. Nous avons en deuxième produit un stick à lèvres de la K-Beauty, donc du coup de la beauté coréenne, au Shea Butter, voilà, au beurre de Shea. Donc très très sympa, très cool. Mais je vais tout tester dans une vidéo, donc vous inquiétez pas, tout ça, tous les unboxings, toutes les caractéristiques des produits seront... dans la prochaine vidéo, dans une prochaine vidéo crash test de tous ces produits. Et évidemment que j'ai tous voulu crash tester. Ensuite, de la marque Herbivore Orchid, on a l'huile pour le visage. Oh, une huile pour le visage. Alors ça, les gars, ça va être un carnage, ça. Hein, puisque vraiment, genre, les huiles pour le visage, j'ai la peau assez grasse, on va pas se mytho. Et les huiles pour le visage... Ok, je spoil pas, je viens de me spoiler. Le packaging est en vert. Stop, on arrête là. Les produits skincare, je vais vraiment pas spoiler. Je vais vous montrer les boîtes. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai... Je vous ferai le crash test, en fait. Ensuite, prochain produit de la marque... Dermatologica, on a... Ok, qu'est-ce que c'est? D'accord, donc du coup, c'est une huile démaquillante de la marque Dermatologica. Voilà, donc ça a l'air plutôt sympa et ça a l'air d'être un full size et ça, on adore. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais le prix de la box skincare s'affiche ici. Et il y a beaucoup de produits, vraiment, genre, c'est un délire, il y a beaucoup, beaucoup de produits. Ensuite... autre produit, on a grave cool, c'est des bandes. C'est des bandes, vous savez, quand vous faites mal au yep ou des trucs comme ça. C'est des bandes imprégnées d'huile d'arbre à thé et d'acide glycolique. Voilà, donc ça permet d'enlever les tensions quand il y en a. C'est super. Moi qui vais au sport tous les matins, je vais à la salle. Comment vous dire que c'est nécessaire des fois, franchement, pour les genoux, les trucs comme ça. Ça, du coup, j'ai pas voulu tester, hein. Parce que bon, skincare, c'est plus healthcare, là. Prochain produit, on est sur une huile encore, d'accord, ok. Donc, c'est une huile de nuit avec du chanvre, du baobab. Et pour la nuit, du coup, c'est un sérum de nuit. J'ai l'impression, une huile de nuit. À tester également, hein, bien sûr, je vous ferai le test le soir. Donc sur la vidéo crash test, je vous ferai un petit plan où je la mets le soir et où je l'enlève le matin et je vous dis comment ça se passe. Ensuite, on a des pore strips and nose strips, vous savez, des autocollants qui enlèvent les impuretés, tout ça, tout ça. Et du coup, on en a quoi. Et c'est très très cool, on va tester ça également. Et c'est de la marque Peace Out Pores. Très sympatoche. Du coup, il y en a 4 pour le nez et 4 pour les pores. Et je sais que j'en ai besoin. Ensuite, on a un traitement correcteur de couleur à l'herbe du tigre de Dr. George Plus. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air d'être un petit truc un peu
dermatologique et en même temps make-up, j'ai l'impression. C'est un truc qui apaise les rougeurs et les irritations. Très très cool. Donc du coup, à tester dans la prochaine vidéo. Ensuite, prochain produit, on a un hydratant visage SPF 50 protection UVA, UVB, tout type de peau de la marque Beauty Bay. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Très très cool. J'adore les produits de la gamme Skincare Beauty Bay. En vrai, franchement, ils sont vraiment sympas. Toujours de la marque Beauty Bay, on a un peeling exfoliant et réduit l'excès de sébum 30% AHA, 2% BHA à l'acide glycolique et à l'acide salicylique. Voilà, ça me fait penser, vous savez, au sérum que j'ai testé, The Ordinary, évidemment sur ma chaîne. Je vous laisse aller regarder la vidéo, je vous la mets dans le petit i. Et du coup là, bah, c'est un sérum, je pense que c'est le même sérum, mais version Beauty Bay. Et je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a une petite, vous savez, pastille collante là. Super relou ça, les petites pastilles collantes. Ensuite, on a un duo de produits. On a une crème hydratante et une brume pour le visage de la marque Dear Claire's. Donc j'ai l'impression que c'est un coffret un peu thématisé Noël. Je sais pas de quelle année. Et du coup, on a le petit mist, la petite brume et la crème hydratante. Voilà, donc très très cool ce petit duo de produits. Il est bien sûr, évidemment, sinon je vous aurais montré les packaging primaires. Il est fermé par une petite pastille, donc ça sera pour la prochaine vidéo. On a un coton réutilisable de la marque Last Object. Ben c'est cool parce que ça aurait pu être mon dernier objet, mais mon dernier objet, j'ai envie que ça soit un truc un peu plus ouf à vous montrer. Donc voilà, petit coton réutilisable, très très cool. J'adore ce genre de truc. Et je vais le garder pour tester le toner. On a un produit full size, évidemment. C'est un sérum au collagène protecteur à la vitamine C et au tripeptide de la marque Bliss. Et du coup, c'est trop cool. Donc c'est un sérum coup d'éclat, évidemment, en full size. Je vous en dis pas énormément plus, hein. Vous l'avez bien compris maintenant. Waouh, on a pas mal de petits échantillons. Qu'est-ce que c'est, des patchs? C'est des patchs qui ont l'air très très sympas de la marque Acnemi. Acnemi, voilà, ça a l'air d'être des patchs, vous savez, à coller sur les boutons. Et du coup, ça a l'air très très sympa. Il y a d'en avoir un ou deux d'ailleurs, même plus, je crois. Donc très sympa pour tester. Je fais pas mal de petits boutons, on va pas se mytho, donc ça peut être très très cool. Oh, trop bien! Je voulais tester un masque dans la vidéo Crash Test Skincare. Et bah, c'est fait, de la marque Zitstika. On a un masque en tissu, on a hydrogel masque, deux pièces, une pièce pour le bas, une pièce pour le haut. Et on verra évidemment les propriétés de ce masque et qu'est-ce qu'il génère, qu'est-ce qu'il procure plus tard. Ensuite, avant-dernier produit. C'est une masterclass, on est sur un produit cruelty free. C'est un face scrub au citrus avec, avec du café et de l'huile de rose naturelle, vegan, upcycle, oh my god. Avec du jojoba, du chia, de l'abricot, bref, ça nourrit, c'est de la frappe, petit scrub pour le visage, à tester dans la vidéo crash test, incroyable. Et c'est de la marque Upcycle, je ne déballerai rien. Je sais que ça peut frustrer quelques personnes le fait que je ne déballe aucun produit parce que la vidéo de la semaine dernière où je vous déballe la box haul, c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup déballé tout ce qui est maquillage, tout ça. Je vous ai même montré la palette de make-up. Là, j'ai vraiment envie de garder le suspense parce que c'est vrai que je me spécialise un petit peu sur YouTube dans le skincare parce que j'adore ça. Vraiment, c'est une passion le skincare. C'est vraiment un truc... Qu'est-ce que j'aime accumuler les produits? Qu'est-ce que j'aime me tartiner la gueule de... Et dernier produit, on a des broches, des petites brosses en silicone, des disques nettoyants en silicone de la marque Brushworks. Et du coup, c'est la même marque. Il y a eu cette marque dans l'opening de la semaine dernière. Voilà, voilà. Du coup, je vais ranger tous mes produits skincare dans la boîte. Pour ceux qui se le demanderaient, évidemment que je vais tester tous les produits en même temps. Ça va de soi. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez un produit que vous voulez voir, vous le verrez dans la vidéo de toute façon. Donc voilà, j'ai réussi à caser tant bien que mal tous les produits de la vidéo de la semaine dernière et de celle-ci
dans cette petite boîte. Comme ça, je pourrais vous faire le crash test de manière organisée et sereine. En tout cas, voilà, j'adore les vidéos unboxing. En plus, c'est des petites vidéos rapides, rapides à réaliser pour moi et rapides à regarder pour vous. Donc, c'est vachement sympa, je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez les vidéos unboxing, vous aussi, parce que j'adore les faire, franchement. Déballer des trucs, c'est toute ma life, de déballer des trucs, j'adore ça vraiment de ouf. En tout cas, merci de m'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et vous abonner à cette chaîne.